La Jarvis, c'est avant tout du rock'n'roll. On va tout droit et on profite de la vie, quoi. La mélancolie m'a condamné. En fait, la Jarry est née à Orléans. On est deux frères, avec David qui joue de la guitare et moi qui chante depuis des années. Donc c'est un truc qu'on faisait déjà quand on était gamin. Je suis un automate. Bah, plutôt que de le faire chez nous, au bout d'un moment, on a fait des concerts. On a appris à jouer avec le groupe, finalement. On se retrouve plusieurs années après à faire des concerts un peu partout. Donc c'est super, vive la vie. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone. On a fait plusieurs albums déjà et là on a décidé de faire un EP pour repartir un petit peu à la source du groupe, c'est-à-dire faire peu de chansons, beaucoup de choses concentrées au niveau des textes, des sujets, des guitares. Hey, basse, guitare, batterie, une voix, une chanson, un texte. Pour parler à ceux qui nous écoutent ou qui veulent bien nous écouter. Et tout est là. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de transmettre à travers cette chanson qui s'appelle Babylone. Je suis comme Ponce Pilate, mais je n'y comprends rien. Le mix de David Bautril, le producteur canadien, nous a bien aidé aussi à nous canaliser. On l'a rencontré, nous, en tournée au Canada. Elle excitait beaucoup, puisqu'il n'y a pas que Muse et les Smashing Pumpkins pour lui. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone. On se retrouve à faire ce qu'on adore faire, ce qu'on aime le plus faire un petit peu partout, c'est-à-dire plein de concerts en France, mais aussi à l'étranger. Ça nous fait voyager, ça nous inspire, ça nous permet de voir des gens, ça nous permet de faire des rencontres. Tout ça finalement grâce à ce bel instrument qui est la musique. Et même si ton silence est d'or, ad vitam aeternam, mais je fais face à la réalité. Si un jour tu m'abandonnes. On nous a conseillé, mais on nous a jamais dit comment faire, quoi faire. Voilà, c'est un truc qui n'existe pas avec la Jarry. On est totalement indépendant dans l'esprit et dans la musique. Je ne verrai plus personne. C'est pas faire grand chose d'autre. Finalement, c'est pas un choix, ça se fait naturellement, sans réfléchir. Tu te lèves le matin, tous les jours, il y a une envie, quoi. C'est ça qui est important. T'as des choses à dire. Dans les rues de Babylone.